Bonjour, bonsoir et bienvenue au magazine économique. Non, c'est pas vrai. Magazine financier Investir, c'est samedi nous, c'est le dimanche. Il y a qu'un gros magazine économique qui est assez intéressant pour nous sur sa cap domine actualité. Mais je vous dis, c'est samedi 16 septembre et c'est rendez-vous ça que nous prenons chaque samedi pour nous discuter de situations financières en particulier. Économie en fait surtout le dimanche, mais le samedi nous parlait beaucoup plus de finances, finances personnelles, finances au niveau des entreprises, finances publiques, que ce soit des collectivités, les mairies et également au niveau national les finances publiques. Et garder ça qui a passé au niveau international également, parce que finances internationales ont affecté nous pas beau ici là tout. Et surtout semaine ça, gagné Banque Centrale Européenne, BCE, qui décidait d'augmenter pour la 10e fois consécutive taux d'intérêt dans la zone ça, à savoir zone Union Européenne. Ça a un impact sur l'économie mondiale là, parce que le temps a augmenté taux directeur comme ça au niveau des banques commerciales, politique monétaire a été beaucoup plus restrictive, il est capable de créer une sorte de restriction économique, encore récession économique particulièrement, et l'économie est affectée comme ça, le pays ça a, donc demande pour diminuer, donc nous-mêmes qui dépendons très souvent de l'économie ça, eh bien, nous sommes capables de retrouver nos situations qui sont négatives. Donc nous voyons que l'économie est connectée, même sous tout petit, nous n'avons pas un point extrêmement important, mais on va avoir une négative qui arrive au niveau international, au niveau mondial, eh bien, nous avons un impact sur nous-mêmes. Et nous sommes parlé de ralentissement des activités économiques, nous avons des gens qui vivent en Europe, nous avons des gens qui vivent aux États-Unis. Et là, ça, nous prenons une situation côté que les gens sont capables de voir moins ce qu'on nous transfère. Donc nous avons un balance des paiements qui a affecté l'argent capable d'entrer en d'un pays. Mais connexion ça qui gagne au niveau de l'économie mondiale, et c'est ainsi que chaque semaine nous essayons d'analyser, le faire comprendre. Nous n'avons pas besoin des experts, nous n'avons pas besoin des spécialistes pour nous connaître, pour nous comprendre qui ça a passé. Même si on dit que l'éducation est trop importante pour la laisser aux éducateurs, l'économie c'est pas différent. Il faut que nous-mêmes nous intéresser parce que ça peut avoir un impact sur le pouvoir d'achat, nous, sur la capacité pour nous consommer, sur la capacité pour nous épargner, sur la capacité pour nous investir. Donc, c'est un village global, donc, il y a interconnecté l'un avec l'autre. Et je dis, nous allons parler de ça dans l'émission. Ça, et peut-être tout le week-end, non? Nous avons parlé tout à l'heure du magazine économique, là, et bah, qui dominait l'actualité dans le pays aujourd'hui, là, et sur l'île, je pourrais dire, c'est frontière là que le président à côté de nous, M. Abinader, décidé de fermer frontière là, et ça a pris des impacts des deux côtés de la barrière, de la frontière, nous sommes capables de dire. Donc en ce sens, c'est très important pour nous capables de suivre avec un pile attention, intérêt, parce que l'économie n'est pas qu'à ignorer, le financement n'est pas qu'à ignorer. Et IHSI publié et semaine ça, et indice des prix à la consommation, indicateur qui est extrêmement important depuis le public, elle nous toujours analyser le pour nous avec un pile intérêt parce que son bagage qui est censé, je ne t'ai dit tout à l'heure, a un impact sur nous. Moun qui gagne salaire dans le pays d'Haïti aujourd'hui, là, donc lorsque l'indice prix à la consommation a augmenté, donc c'est de permettre que IHSI ban nous inflation. Donc nous répéter encore, donc chaque mois IHSI censé mettre équipe moun dehors pour connaître exactement comment prix a évolué en dedans économie. Il a augmenté, il a diminué, il a été stable. Donc c'est le sale pour le ouais, tel mois par rapport à tel mois qui s'est passé et tel mois l'année par rapport à tel mois l'année antérieure là qui s'est passé. Donc c'est ça l'indice des prix à la consommation. Donc nous garder variation mensuelle et garder variation annuelle. Et ça a eu l'inflation depuis quelques temps dans le monde, était plus ou moins sous contrôle. On a parlé de politique monétaire tout à l'heure à la BCE. Eh bien, c'est parce qu'en Europe, taux d'inflation à hauteur de 5%. Donc 5%, ouais, qui t'a fait mal que gain. Nous-mêmes, on a parlé de 40%. Donc, on a compris qui choque nous prend là. C'est comme si en Europe, on a la gueule à partir du troisième étage là. Nous-mêmes, on a sauté à partir du 10e, 15e étage là. Et pouvoir d'achat, nous avons élevé longtemps que nous-mêmes. Donc nous allons comprendre lorsque il y a des taux d'inflation qui approchent de niveau de 40%, eh bien c'est vraiment une situation extrêmement négative. C'est deux bagages que nous avons vivre et nous supposons comprendre. Donc quoi travail, quoi pas travail, chaque fois que le prix va varier, et s'il a varié à
à un rythme extrêmement fort, donc libre à dégrader qualité de vie. Donc nous voyons c'est pas un bagage économique, c'est sous vie personnelle nous. Donc on a parlé tout à l'heure là de budget familial là, on a parlé de budget entreprise là, tout secteur ça est affecté par variation prix ça. Quel était au niveau national, quel était au niveau communal, quel était au niveau local, parce que on peut acheter moins bien avec moins service. Moi définir pour nous ça inflation hier, les petits aspects techniques là, eh bien c'est capacité pour acquérir une série de biens avec une série de services. Donc, il dit que chaque fois que le pouvoir d'achat va diminuer à cause de l'inflation, donc c'est ça nous parler de pauvreté, d'extrême pauvreté. Il y a des gens là qui ne doivent pas perdre du travail, mais ils ont perdu position que ont gagné dans la société au niveau social, façon qu'ils étaient capables de vivre. Donc, parce qu'on connaît que le pouvoir d'achat déterminé quoi le place, est-ce qu'on a un bas niveau net, est-ce qu'on est mi-temps ou bien est-ce qu'on est net. Donc, on a un bas mi-temps, si nous faisons pyramide, pas vrai, ça nous est les classements moyens, et bien je vous dis à descendre dans la base pyramide là, parce que le pouvoir d'achat a pu diminuer, pas carrément une série de biens avec une série de services. Donc, travail là, bien fait du côté de l'IHS. À savoir, il prend toute catégorie de ça consommer, alimentation, boisson alcoolisée, habillement, logement, l'eau, gaz, électricité, tout le combustible qu'on achète, meubles, articles et de ménage, et également pour capable et de foyer, de cas là, des bas à acheter, donc l'eau à la marché, l'eau à la maquette. Soins de santé quoi prend yo, déplacement à faire, transport, communication, loisirs. L'enseignement, parce que si c'est pas dans l'école publique, il y a dans l'école privée, donc enseignement ou bon prix pour lui-même, soit dans le restaurant, bien et services divers, donc il prend toute catégorie ça, et il garde des prix à l'un mois de juin, il garde des prix à l'un mois de juillet, et comme il était déjà fait l'un mois de mai avec le mois d'avril, il compare. Donc il compare la même année. Par exemple, il prend juin par rapport à mai, il prend juillet par rapport à juin, et il prend juin année ça, il compare par rapport à année passée. Il prend juillet année ça, il compare par année passée. Et c'est ça qui prend le bon chiffre là. Et c'est pour un bagage mathématique, non, c'est arithmétique là. On prend la valeur que l'on représente le mois de juillet, ou fait moins valeur. Mois de juin, si m'a fait un rythme mensuel, après diviser le par mois de juin, la bon pourcentage, donc son fraction liée, donc nous voyons que je ne dis ça, ben, la même mathématique capable de comprendre. Donc si on compare le par rapport à l'année, on va le prendre juillet année ça, ou soustrait juillet année dernière là, après diviser le par juillet année dernière là, la bon exactement variation qu'on va chercher. Donc ce n'est pas des bagages extraordinaires, mes amis, capables de garder. Et le ça, ou même, supposons qu'on ait même salaire là, parce que c'est pas chaque mois le voir les salaires non ou pas capable barrette kounya là le fait que ou sont garder chiffre HSIA à propos de le patron dit patron mais chiffre HSIA oui ou ça qui passe là donc c'est dit que pouvoir d'achat diminue en quelque sorte patron absouri baou et soit balle pression donc on ça capable briver finalement là du bon OK mon autre monde capable ça avait marché donc c'est des chocs qu'on ça capable gagner entre patron et travailleur parce que travailleur lui-même n'a pas choc en quelque sorte donc nous voyons que inflation sont mal liés inflation sont ennemis sont zinglendo liés qui a détruit richesse qui a flambé comme qui dans poche quoi donc si que ça l'a pas varié pendant que prix a varié. Donc, laisse ça pouvoir d'achat diminuer et on va tomber dans la base là. Espérer que nous comprenons très bien le terme que nous avons utilisé là pour nous capables de voir exactement la décision que nous avons prise. Donc, nous allons mettre le graphique là pour nous là, pour nous capables de voir les résultats que IHSI a eu, donc nous avons projeté pour nous voir que IPCA, j'aime tout dire, c'est une moyenne que vous faites de tout secteur de cité pour nous là. Après que vous pouvez joindre IPC mois de juin, vous comparez à mois de mai, vous prenez IPC mois de juillet, vous pouvez comparer à mois de juin. Donc en juin, il était 43,9 et en juillet, il était 39,8. Bon, ça m'a fait déborder sur Twitter pour le fond débat, pour le dire, pas de baisse des prix. Bon. Ça, nous avons les Haïtiens, le ou la guerre, pape, quand même. Ce qui signifie que son variation qui fait au niveau des prix, c'est dit, prix ont baissé, mais ça ne veut pas dire pas d'inflation, en quelque sorte. Donc, tout effort que nous faisons pour expliquer, M. Baïsa, vous ne même pas parler de ressenti, oui, ressenti à son perception que lui.
chiffres HSI sont réalité que lié. Donc voilà les données en quelque sorte. Donc nous parlons ouais que IPCA c'est 43,9 lié pour cent et juillet 39,8. Nous dit que en Europe aujourd'hui il y a bataille à inflation qui est à 5% en rythme annuel. Aux États-Unis inflation à 4%. Il y a besoin de ramener à un niveau de 2%. À savoir dans les pays les plus avancés, le taux d'inflation recherché dans le cadre de la politique monétaire est de 2%. 2%. Par rapport ici, là, on a obtenu qu'un niveau d'inflation que l'on a pratiqué. Donc, côté que le pouvoir d'achat est déjà faible, côté que ça est déjà faible, donc, où est qu'un niveau d'inflation et c'est la pauvreté, l'extrême pauvreté et la misère. Et tout ça au résulté de qui ça? De l'instabilité politique, de notre capacité à s'asseoir pour discuter, de multiples crises que nous avons sous toute qualité forme, toute dimension. Nous prenons crise sanitaire, choléra, Covid, nous prenons crise politique. Nous, la semaine dernière, la CARICOM vient à sortissant et encore. Bon, ça, nous connaissons que, moi, je ne suis pas étonné encore parce que statistiques là. En 1994, nous rappelons comment que, après coup d'État, comment ça a été fini. Ce n'est pas une entente qui a été faite entre les Haïtiens. En 2003, GNB, même bagaille. Donc, ce qui signifie que, c'est étonné, nous avons étonné tête, nous, si nous avons fait 203. Donc, troisième, ça a privé là. Ou est que jusqu'à présent, au niveau des Nations Unies, il n'y a pas de faire une entente. Haïtiens, pas de bonne entente. Nous ne sommes pas capables de faire ça parce que nous parlons de DNA, nous parlons de génétique. Nous. Maintenant, ça n'y est pour nous faire. Lorsque, en moins de 30 ans, nous avons trois gros chocs. Et ce n'est pas nous-mêmes qui avons une solution. Une solution pas à l'interne. Nous ne sommes pas capables de monter le niveau, pas de leadership, pas de capacité pour ça. Leçon pour nous prendre, c'est que dans l'école, la génération qui a produit là, c'est pour nous mettre des cours pour que. Parce que pas le gars encore. C'est pas la première fois qu'il a ici fait choc politique. Le cognac, c'est des cours qui pour faire. Et ça, les soft skills là, c'est pas l'école à partir de mathématiques, physique, chimie. Parce que bon monde qui est à côté de ta bio, c'est des ingénieurs, c'est des médecins, c'est des monde qui est au niveau, m'ta capable dire en termes de compétences. Ça, c'est les skills là. Comment t'es, c'est père. C'est acteur. Donc nous, c'est tout là qui pas capable de notre tête là. Donc bon cours, on n'a pas obligé de faire cognac là. À savoir pour nous préparer haïtiens pour les crises, pour capable chita pour négocier. Et que négociation, c'est pour un fait de nous gagnons perdu, ça veut dire win-lose là. Négociation, c'est capable win-win, mais pas gagner ça dans la génétique. Nous, et pas attendre. Blanc, nous devons développer des batailles, nous devons un consensus entre nous-mêmes. Nous devons 10 ans encore, nous ne pouvons pas avoir un consensus là. Nous ne pas priver. D'ailleurs, nous retournons à la case zéro. D'abord, Kounia, nous dérivé après Jamaïque. Il était dit, bon, il était accepté. Ariel, pour comme nous sommes capables de dire, ministre, Kounia n'a dit pas de ça du tout. Bon, c'est démission. Et ça, on a dit, au pape sauté en quelque sorte. Malgré tout ça qui a passé là. Bref, ça a bon résultat, ça, que nous là. Ce n'est pas le monde qui crée pour nous. Donc, c'est toute crise ça. Donc, ça que, toute l'inflation que je dis là, qui est causée par. Matisse, qui causait par les canards, qui causait par quoi des bouquets, à savoir la chaîne de l'offre, la chaîne d'approvisionnement, déplacement bien à service, et déplacement des biens, des personnes, on est capable de dire, au niveau territoire. C'est ça que bon inflation. L'inflation, son résultat, c'est comme si son match football qui a pu, et bon, on perd 7 à 0, pas le 10 à 8 qu'il faut perdre, on prend 7 goals pour qu'il y ait et bien c'est exactement ça. Donc, l'organe taux d'inflation à plus de 40%, eh bien, indicateur là qui dit qu'il y a des problèmes, des déséquilibres qu'on crée dans l'économie, qu'on n'est pas capable d'arriver à résoudre en quelque sorte. Donc, et selon IHSI, il y a un facteur qui fait que ton inflation baisse là pendant ces derniers mois, parce que pas oublier, vers en février-mars, nous avons un taux d'inflation qui est proche de 50%, nous avons presque franchi la barre de 50%, peut-être que proche de 50%, et bien qu'on a nous ramené autour de 40%, c'est ça que je t'ai expliqué que ça y a chez fait sortir la chute des prix, et bien lui dit c'est parce que le secteur alimentation, il y a une baisse qui fait dans les produits alimentaires. Bon. C'est le résultat que nous commençons à gagner, le taux de change qui diminue. Parce que pas oublier que n'importe
considérablement. Donc, l'on a importé, il faut que ou capable de vendre dollars pour importer. Donc, si dollars font baisse, donc nous avons produit importé, donc prix capable de baisser en quelque sorte. Et nous ne connaissons pas une bonne récolte qui fait au niveau local tout. Donc, c'est ça que j'ai aussi bonne comme explication. Produits alimentaires qui baissent dans ce sens. Mais nous parlons, oui, il y a un secteur qui attire l'attention, nous ne parlons pas les sacs qui baissent, mais il y a une qui est à un niveau très élevé, c'est le secteur transport. 103,3% le mois de juin par rapport à juin, alors juin 23 par rapport à juin 22, et nous parlons que le transport là, il passe en bas 100%, mais nous voyons qui augmentation qui fait là, donc ça c'est variation qui fait au niveau de marché transport là avec produits pétroliers. Donc nous connaissons que le prix pétrole là, d'ailleurs, nous sommes de la capsule là, tout à l'heure là, nous avons rappelé que chaque matin, si nous voulons des informations, nous avons branché pour Fin TV sur YouTube, nous avons besoin de change là chaque jour. Chaque jour. Et nous avons besoin de données ça. Et nous avons besoin également prix baril pétrole là. C'est deux gagnants, gain Brent, ça c'est la partie européenne, et pas beau ici vers les États-Unis, c'est WTI. C'est WTI là que pour finir publier en quelque sorte. Brent l'a déjà franchi depuis quelques temps, 90 dollars américains. Nous rappelons les syndicats qui ont toujours pas beau ici là, c'était lorsque le prix baril était autour de 70 dollars américains. Et bien, le passé 80, il franchit 90 dollars américains parce que il y a deux pays là qui ont même les prix à élever, extrêmement intéressant pour eux. Ou bien la Russie qui est en guerre actuellement, donc il a besoin de cob. Et l'Arabie Saoudite qui ces derniers temps, yo entendu, et qu'on va dire les OPEP plus, son cartel, côté que ils mettent ensemble les producteurs pétroliers pour contrôler l'offre là. Donc si offre là réduit, donc prix va augmenter en quelque sorte. Donc des mauvaises nouvelles pour nous même pas bon ici là, le problème que nous vivons là aujourd'hui là, le fait que prix baril pétrole là franchit la barre de 90 dollars américains, donc Haïti va obliger qu'on y a 20 plus good pour l'acheter dollars et pour l'acheter sur les marchés internationaux. Heureusement, tout change là pas apprécié trop. Il y a 140 gouttes bon dollar, mais juste imaginez aussi taux de change tape monté qu'on y a là pendant le prix a monté sur les marchés internationaux. Donc, prix à la pompe là, nous par contre, si le gouvernement a une capacité pour le varier, mais nous connaissons l'aile pas varier tout, il y a moins l'argent qui a entré en dans la finance publique là. Par contre, c'est l'aile pas varier là, par contre, coup pour payer. Donc, nous, 103%, c'est à cause de variations que le gouvernement fait, mais s'il va faire, il prend le bord quand même au résultat, il y a bord un taux de change encore beaucoup plus élevé. Donc nous voyons que l'économie, c'est pas un bagage qui est vraiment facile pour un gouvernement gérer, surtout après un type de choc. Ça. Donc le secteur transport, vraiment situation extrêmement difficile. Bonne nouvelle, nous voyons que le secteur santé a fond baisse en bas 30%. Donc je dis à ce monde malade, ou cap un choc qui moins, mais le délai est très élevé, parce qu'on connaît que médecin faut payer, l'hôpital la faut payer, et médicaments, équipements, yo, ne pas faire au local, il faut importer. Donc, les gens sont capables que prix et santé, les mêmes tout le gros impact. Heureusement, on parle l'hôpital chaque semaine, nous pas malade chaque semaine, mais l'homme malade là tout, donc, ouais, qui conséquence, ça capable gagner tout ça rentrer dans la variation des prix et l'inflation. Comme c'était en juillet que chiffre ça a sorti, donc nous parlons d'affaires assez faible en variation, seulement 11,3%. Mais là, nous allons commencer à jouer une donnée mois d'août et mois de septembre. Laisse l'école pour ouvert. Alors moi, je m'étais des mondes qui ont dit ouais, l'école a augmenté le prix trop, l'école a ceci, l'école a cela. Mais toute variation ça a eu. Pour l'école là, bon service là, il faut gagner de l'eau. Pour l'école là, bon service là, conseil de produits, de biens obligés à acheter. Et nous avons des variations. Donc si l'école là obligé acheter donc coût marginal le coût unitaire a augmenté. Donc s'il pas ajuster prix à ça perte le travail. Bon, m'a gagné l'école m'a défendre et m'a directeur l'école, mais c'est pour vous dire moi maintenant des monde qui dit non, faut l'école là. Vous comprenez ça. C'est ça qui fait inflation, c'est gros problème ça a que le poser et pour être capable de faire face à lui-même. Donc l'homme gagné, on est capable de dire des chocs qu'on ça cap fait, l'école là subit choc là tout son secteur puisque le consommer tout. L'acheter des biens et l'acheter des services. Bon, le professeur a demandé l'augmentation. Tout. Donc, c'est tout élément ça, pour nous prendre en considération, pour nous comprendre. Mais ça que l'inflation représente comme gros problème. Restaurant a augmenté de 39,3% à 34,6%.
Il y a un secteur qui a pris un choc, qui n'a pas qu'à parler, mais on attire l'attention quand même, c'est le secteur de la communication. Donc nous, c'est la dernière fois, on a fait une émission spéciale sur bagay et Digicel. Donc lorsque Digicel a pris augmentation, ça, parce qu'il faut alimenter l'antenne, on a comme tout, il faut alimenter les gens qui ont bon service internet et qui ont bon service internet. Yo. Donc parce que, eux-mêmes, faut que y acheter pétrole là, faut acheter produits dérivés de pétrole pas plutôt, faut que y paye une série de services. Donc lorsque y même y a pris choc ça et y pas qu'à varier prix, donc c'est l'argent pas perdu du tout. Donc c'est des secteurs eux même et pas qu'à faire investissement tout. Donc d'où la nécessité, je vous ai expliqué tout à l'heure, mais comme en Europe, vous avez cherché 2%, c'est ça que target, c'est ça que cible. Donc lorsque nous-mêmes nous pas mettez l'ordre au niveau fiscal, au niveau monétaire, l'économie réelle l'a subi. Et c'est pas sans raison que chaque mois de venir, nous prendons ça, nous partageons avec nous, parce que le impact non seulement sur vie, nous comme ménage, comme individu, comme personne, mais le impact également sur l'entreprise. Parce que l'entreprise, yo même tout, yo subi choc là au niveau des coûts. Et si que pas qu'à varier prix trop, et les varier prix à quantité demandée va diminuer, et le salaire va tomber en perte, et vous va retrouver dans une situation de obligé fermer compagnie. Donc l'inflation, son bagage qu'on pas jouer avec, son bagage qui posait un pile problème en dans l'économie. Kounya IHSI publié quelques données tout par région. Il prend Air métropolitaine de Port-au-Prince, donc descendez pour nous et Mekens pour que nous soyons capables de voir. Il y a une possibilité de regarder la, et si c'est la radio, sur mon téléphone, dans mon ouvert téléphone, ou sur YouTube, ou regarder Profin TV. Donc la plus facile pour parce que l'école, la université a mis des informations à disposition. Donc il est bon pour nous capables de comprendre mes informations et comment pour analyser. Et comme nous avons dans l'école, il y a un cours d'éducation financière et économique. Donc voilà des variables professeurs. Étudiants, yo, élèves, yo, enseignants, yo, capable prendre donner ça, c'est des bagages réels et c'est pas préférer un baccalauréat gounia là, parce que ça affecte vie moun directement. Donc tableau ça n'y est là gounia, on va le IPC global là, la première ligne là, qui prend ben nous exactement chiffre que nous avons parlé de l'IA 43.9%, 39.8%, donc l'en comparé à pays qui avancé, l'Europe c'est seulement 5% de variation de prix, les États-Unis actuellement 4% de variation de prix et après toute disposition pour baisser. Donc ouais, qui choc que n'a subi là en quelque sorte. Deuxième ligne, c'est indice des prix à la consommation avec les produits locaux, à savoir yo retiré dans tout ça qui apparaît dans l'économie, la panier, yo prend produit que ne fabriqué localement. Et nous parlons des produits locaux en juin. Et 2023 par rapport à juin 2022, c'est 41.1%. Et en juillet 2023, ça fait quelques temps que nous pas trouvé taux passé en bas 40%. Donc, on baisse qui fait là, et c'est ça que j'ai expliqué. Moi, qui t'a fait sur Twitter avec moi, dès qu'il passé à 38.6%. Donc, nous en bas 40% au niveau des produits fabriqués localement. Pour produits qui n'importent, eh bien, 48.2% en juin 2023 et en juillet nous avons beaucoup passé en bas 40%, les 41.5%. Donc nous avons subi un choc là jusqu'à présent de guerre Ukraine avec la Russie, de variation des prix sur les marchés internationaux. Donc ouais, choc ça rejaillit, tombé sur nous jusqu'à Boricite là en quelque sorte. Donc jusqu'à présent n'a plus de 40%, mais les produits que nous avons fabriqués localement, ils sont occasion. Donc, les gens signalent ça. Les produits que nous avons fait localement, c'est le moment pour que nous avons vraiment fait pour nous capables d'arriver à permettre que la production locale a augmenté, les capables de job et les capables d'améliorer l'économie. Parfois, ça négatif là, les capables de bagage positif pour nous-mêmes. Nous allons prendre le prochain slide là, qui va être la dernière partie par région. Nous pouvons regarder ce qui a passé dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, donc dernier tableau. Ça nous est là. Donc nous pouvons, ça, IHSI fait, il divise en quatre grandes régions. Il y a l'aire métropolitaine de Port-au-Prince qui gagne la commune de Port-au-Prince, la commune de Delma, la commune de Pétionville, la commune de Carrefour et la commune de Croix-des-Bouquets.
Par contre, ça, IHS s'y fait avec commune de Cité Soleil, qui t'a supposé dans le bloc ça. Par contre, t'as qu'à voir le reste ouest là, à savoir dans Gressier, Léogane qui va tomber sous sud-est. Donc, IHS a fait un petit coup d'œil sous ça parce que faut qu'on ait une bonne donnée pour qu'on bien analyser. Donc, la zone ça, taux d'inflation 42,7% dans le mois de juin. Et le mois de juillet, taux d'inflation passé en bas 40% dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. 38,1%. Donc, ça, préférez prendre 38 gol qu'on prend 49 gol. Bon, ça ne parle pas être cynique. Préférez prendre 49 et 38 coups de bâton qu'on prend 49 coups de bâton, 43 coups de bâton. Ça, c'est mais la police, va arrêter. Donc, mais comment pour nous garder là tout? Parce que l'eau est tout ça aussi élevé, c'est choc ça qu'on prend. Donc, l'eau arrive dans la maquette là, l'eau arrive dans le marché là, après, prix a varié rapidement en quelque sorte. Reste département l'Ouest là, qui est le département du Sud-Est, avec le département de l'Ouest, air métropolitaine, non, pas bien le département de l'Ouest là, où gagne Gressier là-dedans, où gagne Léogane là-dedans, où gagne Grand Gouave là-dedans, où gagne Tigouave là-dedans. Donc ça que IHS fait pour toute commune ça, il balance sous département qui est dans le Sud-Est là pour calculer région ça. Donc comment taux d'inflation est 45,1% dans zone ça, reste Ouest là, en juin et 41,4% en juillet. Nous allons monter dans nos pays. On va rester dans le sud là, et on va arriver dans le nord. Sud là, il y a trois départements là-dedans. Il y a sud, Grand-Ouest avec NIP. Taux d'inflation, le mois de juin, 44,5%. Et le mois de juillet, 40,4%. Donc nous allons voir là, reste ouest là, avec sud là, c'est un taux d'inflation qui est plus élevé. Et transversal là, presque dans le même niveau, mais ça, c'est ça, c'est effet mentissant, puisque vous n'êtes pas capable de passer pour Dieu facilement dans la zone ça, il y a un payage dans la zone ça, il faut payer. Donc, on y a les gens qui payent beaucoup plus comme pour porter pour Dieu, donc les gens qui reçoivent pour Dieu, eh bien, ils prennent la charge beaucoup plus. Qui s'en va le département transversal là, en général, il n'est pas connu comme ça, mais il y a assez élevé là, il est même plus élevé que dans le nord là. Transversal là c'est l'Artibonite avec plateau central 44,2% en mois de juin et 40,4% en mois de juillet. Et nous allons monter dans le nord là qu'on y a là, nord, nord-est avec nord-ouest 44% dans le mois de juin, c'est ça l'inflation et il était moins que 40% dans le nord, soit 39,8%. Donc deux zones qui sont censées taux d'inflation plus bas un dernier mois que IHS peut présenter l'information pour nous, c'est le département la région nord pardon et l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Mais ça qui a passé sous frontière semaine ça, frontière que vous faites message aussi là capable de montrer nous sont passé Matisse pendant 2-3 dernières années cap pral rivé dans nos pays dans région nord là parce que moun sa été alimenté tête en pile du côté de la République dominicaine. Donc on gratte un petit coup d'œil sur ça, nous pral parler dans prochain sujet là. Donc nous sera aller pour nous inflation moi bon chiffre là 43,9% le mois de juin juin 2023 par rapport à juin 2022 et taux d'inflation passé en bas 40% à 39,8% le mois de juillet. Et semaine ça tu gagne une petite activité qui t'a réalisé entre le ministère des finances et quelques acteurs de la société civile, yo pensé yo capable ramener d'ici fin septembre nan, taux d'inflation proche de niveau de 30%. N'a parlé de ça là, nous retourner après la pause, n'a pas pause, n'a retourner dans quelques instants.